Dimanche matin, la salle de spectacle de la Maison de l'Enfance affichait complet. Et pour cause, la compagnie Théâtre de Cristal était venue présenter son spectacle intitulé « Max et Rosalie ». Un conte moderne que les deux comédiens lorrains nous ont fait partager avec émotion. L'histoire parle de Max, un père peinard, qui vit sur un terrain vague et cultive un lopin de terre, tout en faisant de drôles d'expériences. Il est seul, mais heureux, jusqu'au jour où Rosalie arrive. Elle s'installe à côté de chez lui et va bousculer sa vie. Ce spectacle sans parole, tout en musique et en rythme, passe de la poésie à l'humour pour nous laisser envahir par nos émotions. C'est aussi un spectacle sur la différence, l'approche de l'autre, l'étranger au sens large du terme. Une bonne leçon de vie qui a imprégné les esprits des petits comme des grands. Mais sans plus attendre, je vous propose d'apprécier ces quelques extraits. Oh, la mia partita!
Con mil detalles.